Et bonjour les amis, voilà, il est arrivé une aventure à ma femme. Et donc, on est sur un appartement de vacances et la propriétaire nous a acheté à faire à repasser. Et ma femme, elle l'a mis en route, elle n'a pas enlevé le papier. Alors, de ce fait, elle a enlevé ce qu'il ne fallait pas faire avec un couteau, mais elle n'a pas insisté, ça va encore. Et je sais pas comment on l'a fait, elle a gratté avec, certainement avec un chiffre, avec un machin. Donc le plastique il est parti, mais il est parti, mais il y avait comme une espèce de peinture plastique. Je l'ai mis dans le congélateur, après j'ai essayé de frotter, ça marche pas. Et donc j'ai eu l'idée, parce que le problème c'est qu'il y avait une espèce de colle dessus, alors la colle elle était étalée avec le plastique. Ben, je l'ai branché. Si vous mettez dans le congélateur, faut bien vider l'eau à l'intérieur, sinon ça va aller péter le réservoir. Et donc, je l'ai branché sur coton, mais très peu de temps. Je sais pas, c'est, je l'ai dû brancher 2 secondes. Donc ça fait fondre légèrement le plastique. J'ai pris un tampon Gex, alors tampon Gex côté plastique, hein, voilà, ça n'agresse pas. Et ben oui, du pain de molif dessus. Et c'est incroyable. Ah non, il y a plein de morceaux de plastique. Bah, de ce fait, vu que le plastique il est mou, il s'éteint comme une peinture, comme je vous ai dit, bah, il se mélange avec l'eau savonneuse et ça s'accroche plus. Le plastique c'est pareil. Et c'est impeccable. Sinon, c'était un vrai désastre. C'était une colle. J'essayais de l'enlever avec mes ongles, il n'y a pas moyen. Donc j'ai réussi à la ravoir. Impeccable. Les trous ils étaient bouchés. Bon. Alors ce que je vais faire, parce qu'il y a des petits morceaux qui sont partis. Ben, je vais mettre en position vapeur, je vais appuyer à fond, je vais encore le rebrancher et je vais le remplir en eau, position vapeur, et puis je vais balancer la vapeur. Comme ça, s'il y a des morceaux de plastique dedans, ben, ils vont finir par se barrer. Il n'y a que ça que je peux faire. Bon voilà, mesdames, si ça vous arrive, ne jetez pas votre fer à repasser. Comme je l'ai dit, vous le branchez, mettez sur coton. Voilà, bien sûr, si vous arrivez à enlever en gros, vous enlevez en gros, mais à un moment, vous ne pouvez pas l'enlever, c'est complètement collé. Vous le branchez quelques secondes, ça chauffe. Éponge mouillée avec de l'eau savonneuse, bien savonneuse. Carrément, hein, mettez un jet. Hein. Mettez beaucoup de produit. Et vous frottez. Voilà. Et après, bon, moi, je l'ai rincé comme ça, à l'eau. Rincez-le avec une éponge si vous avez peur. Bon, moi, j'ai pris des risques. C'est-à-dire que je n'ai pas arrosé cet endroit-là. Et après j'ai renouvelé parce qu'il restait encore un petit peu et puis j'ai une deuxième fois j'ai renouvelé et impeccable. Voilà, c'est cadeau pour vous mesdames. Bon écoute, il est bien, hein? Voilà, il est encore lisse, donc il est impeccable. Bien rattrapé, je suis content. Le truc était tout neuf en plus. Allez, bon bah. N'oubliez pas un pouce, abonnez-vous et l'aventure continue. À la prochaine les amis. Youpi!